se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pathfinder 2. Donc ici, nous allons commencer la nouvelle carte pour la quête de la Ligue du Joyeux Chariot. Voilà. Donc c'est parti. Can't hide from me. Nous y voilà enfin. Elon et Frison doivent être dans les parages. Anna aussi. Et si elle a eu l'autorisation de quitter la ville. Ah, les voilà. Bonjour à toi, Scylla. Et à vous aussi, commandant. Mais si Raylan se met les mains dans le dos et acquiesce une légère révérence avant de vous lancer un regard inquisiteur, il semble moins amical que le jour où vous l'avez rencontré au cœur du défenseur. Jana met les mains sur ses hanches, l'air encore plus fringant que d'habitude. Elan est un peu mal à l'aise. Il croyait avoir demandé l'aide de deux combattants lambda dans notre genre, mais voilà que vous êtes devenus les sauveurs de Kenebres, des chevaliers de la cinquième croisade bénis par Iomedei. Et vous êtes tout de même venus l'aider à fouiller ce bric-à-brac. J'aimerais mieux ne pas aborder ce sujet. Je vous assure que je suis toujours la même Scylla, votre ami de la Ligue du Joyeux Chariot. Nous sommes là pour vous aider à chercher l'anneau d'Elan, au fait où est Frison. Il n'est pas venu avec nous, il a dit qu'une vieille blessure avait recommencé à lui faire mal. Bien. Maintenant que nous sommes tous là, dépêchons-nous à terminer cette mission. Je m'en veux déjà suffisamment d'avoir mêlé le commandant à mes problèmes personnels. Donc, à quoi ressemble l'anneau? La dernière fois que je l'ai vu, il était dans mon coffre de voyage, avec le reste de mes affaires, mais j'ignore comment nous allons faire pour le retrouver maintenant dans le camp. Maintenant que le camp est sans dessous. En tout cas, vous ne pouvez pas le manquer, il est en métal argenté, certifié d'une grosse pierre d'un turquoise profond. Maître Darek n'est pas qu'un simple bijoutier, c'est un véritable artiste et ses créations sont reconnaissables entre mille. Sérieusement, Elan, une breloque qui vaut plusieurs mois de solde, les règles de la surface sont vraiment tordues. Vous devriez faire comme nous et offrir des rats grillés à vos femmes. Vous vous épargneriez bien des ennuis. Alors t'es nerveux, je vous prie de m'excuser, Jana a raison, beaucoup de choses ont changé depuis notre rencontre à Kenebres. Certaines dans le bon sens, d'autres pas. Ben on y va, hein. Allez, on se rejoint un peu. Plus loin. Might be trap, might be treasure. Follow my lead. Plein de petits objets bien dissimulés. Aha. De fait. This is my kind of work. You ask me. This is my kind of work. My tail is twitching. Must be a sign. Alors, comment trouver? Pas mal. Oh.
Voilà, ben un petit point par-ci, un petit point par-là. Bon. Mais il devait y avoir des démons à un moment donné, on va quand même se booster. A bright future awaits us. Tant est différente des autres, elle dégage une forte odeur de brûlé et un glissement. Ouais. Let's have some fun. You've crossed the wrong mongrel. Extraordinaire. Missed me already. Voilà. Un petit côté surgit du coffre et vous fixe méchamment du regard en faisant une grimace. Il tient dans ses pattes un objet brillant, un anneau d'argent sorti d'une grosse pierre turquoise. Il est à moi, et dans là, regarde cette affreuse petite créature. Qu'est-ce qu'elle tient dans ses pattes? J'ai déjà vu un de ces petits démons. Ils adorent agacer et harceler les gens, mais ils se sauvent au moindre signe de danger. Nous allons l'encercler et l'attaquer tous en même temps avant qu'ils ne comprennent ce qu'il se passe. Il est à moi. Oui, on dirait celui-là du démon, lui. Elan, Jana, pas d'inquiétude, ils reprendront bientôt connaissance. Vite, Eikos, attrapons cette petite canaille, moi qu'ils disparaissent. Mais oui. Doubt is the heart's greatest challenge. Je vais le faire avec Lan, c'est le plus rapide. Ready for anything. Ah, tiens donc, le frison est là. Frison. Alors, avant qu'un ne parvienne à atteindre le quasi, le frison surgit soudain à côté de lui et arrache l'anneau des pattes du démon. Vous ne devez pas l'avoir. Frison, mais qu'est-ce que tu... S'interrompant entre Elan et Frison, Scylla réussit de justesse à parer le coup visant l'Halfling. Elan, arrête, tu as perdu la tête. Il utilise un sort d'invocation. Pourquoi m'as-tu? Ah ouais, 5 babous. Préparez-vous, nous ne pouvons compter que sur nous désormais. They did.
I will see to your demise. Bon. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, oui oui oui. Die already. Hey, tactical retreat. No. Oh, your fault. Allez, il est mort. Quelle misère. Ah ouais, et j'avais pas sauvegardé juste avant. Faire tout refaire, c'est génial. Bon, là, je vous la fais rapide. Hein. Can't hide from me. I'll go ahead. Mais là, ils ont une stratégie de perception. I know the way. A trivial matter. This is my kind of work. Pretty good, aren't I? Something over there. Oh, c'est pas là qu'il faut le mettre, celle-là. Ok. Follow my lead. Bon, on va se booster. Smile. I know what the world's do. Not ending just yet. Oxy, Yasti, Wolash, Rules are made to be broken. Ask nicely. There's beauty hidden in the darkest of places. Too bad no one can see it there.
Don't mind me. My will is resolute. Orna Adayana. Pleasantries. Magritio, Turios. Bon, et c'est pas deux fois. Meditate on your mistakes. It might make you feel better. I'm curious. Another obstacle. You won't survive me. Bon voilà. Make every strike count. Les autres, vous attendez quoi là? Enfin. Cinq, six babos, c'était quand même pas rien. Elan, qu'est-ce qui t'a pris? Tu as failli tuer Frison, sans autre forme de procès, sans même savoir si c'est vraiment lui le responsable de tout ça. Il est peut-être une victime, lui aussi.
une victime. Il nous a attirés droit dans un piège. Lui seul était au courant de ce que nous comptions faire. Il savait que nous pensions le camp vide, mis à part quelques démons inoffensifs. Et c'est pour ça qu'il nous a tendu un piège. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il visait le commandant dès le début, sous les ordres de ses maîtres démoniaques. Voilà ce qui arrive quand on croit qu'un scélérat peut s'acheter une conduite. Nous n'en savons pas assez pour juger ce qui vient de se passer. Frison a un bon cœur. Ce n'est ni un espion ni un meurtrier. Les démons l'ont peut-être menacé ou dupé ou voire ensorcelé par leur magie. Mais nous ne le saurons jamais puisque tu l'as laissé s'échapper. Mieux vaut laisser un voleur s'enfuir que tuer un innocent. Je n'ai pas besoin que l'on me tienne la main et que l'on m'épargne des regrets. Peux-tu en dire autant Scylla ou même vous, commandant? Que veux-tu insinuer? Vas-y, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Scylla, je ne voulais pas en arriver là, mais je te considère comme une amie et c'est pourquoi j'aimerais te donner un avertissement. Depuis ce qui s'est passé à la garnison grise, tu cours un grave danger, tu n'es peut-être pas la seule. Même si tu aimes faire fi de la hiérarchie militaire et des règles des ordres de chevaliers, ils sont empreints d'une sagesse qui a fait ses preuves. Un officier commence par être un simple soldat, tout comme un chevalier commence par être un écuyer. C'est dans l'ordre des choses. Même les paladins du médaillé acquièrent leurs capacités au fur et à mesure. Mais toi, ni le commandant, on t'a octroyé des pouvoirs incroyables, largement supérieurs à ceux des paladins vétérans, disposant d'une expérience et de compétences bien au-delà des tiennes. Tu as reçu ce don à temps pour sauver nombre de vies dans tout le Mendev, et c'est un véritable exploit qui restera dans les mémoires pour des siècles à venir. Le problème vient de ce qui s'est passé ensuite. Les gens commençaient à te vénérer. La reine t'a octroyé un pouvoir si grand qu'il t'a permis de passer outre l'entraînement, l'expérience, les épreuves. Ce n'est pas la première fois que Sa Majesté agit avec impudence. Et quel bien cela a-t-il fait au Mendev? Pour te dire, j'ai peur, surtout quand je te vois accorder ta confiance au premier venu, à te lancer tête baissée à l'aventure. Un jour, tu blesseras ton épée alors que tu aurais dû pourfendre ta cible. Tout comme des milliers de jeunes enthousiastes le feront après toi. Ce message s'adresse également à vous, commandant. Ouais, tu as raison, je m'excuse pour la dureté de mes paroles. Comme je l'ai dit à Scylla, ce n'était pas un reproche, mais un avertissement. Ce pouvoir qui vous a été octroyé pourrait vous mener à votre perte en emportant tous les croisés avec vous. Il ne faut pas craindre ce qu'on ne connaît pas. Tant que l'on garde ses responsabilités à esprit, nous pouvons utiliser les dons que nous avons reçus pour faire le bien. En tout cas, je m'excuse de vous avoir fait venir ici. C'était une perte de temps qui n'a fait que vous exposer au danger. Enfin, nous aurons au moins appris que Frison est un traître et Janna une couarte prête à abandonner ses amis quand les choses tournent mal. J'espère que nous tirerons tous une leçon de ces erreurs. Quant à l'anneau, qu'il aille au diable, si Kiana même, ce n'est pas pour les cadeaux que je lui offre. Venez, quand nous rentrons, j'aimerais vous parler plus tard. Ok, voilà. Mais on va partir d'ici. The world has suffered enough. I welcome your company. Patricio Burinos. C'est pas la masse. Magritio Turinos. Magritio Turinos. Voilà. Voilà, voilà. On va aller plus loin. Fatigué, on va se reposer. Ça sonne bien.
Rencontre aléatoire. Ok. That is not far. Into the front. Do not fear. Do not waver. Did you see that? A calculated risk. This was unexpected. Out of my sight. I will lend you my aid. Miss me already? Magritio, Turinos. Magritio, Turinos. Magritio, Turinos. Ça, un début de plus 5 à chaque fois sinistre, quoi. Bon, allez. Si deux de vos armées se trouvent l'une côté de l'autre. C'est pas très clair comment utiliser les choses. Commandement 1. Diplomatie. Voleur 2. Santé pluriel. Pronostique. 1. Mmh.
que pas de... Mmh. 500 pour le trésor actuel. Ça perte sous la taille. Alors là, on a un nombre de points de valeur. Le temps égal à la taille du bâtiment. Puissance, ressort. Excellent. Il est ciblé sauf la malus de 20 plus puissance divisé par 5 morale de combat inflige puissance au carré plus 5 fois 10 points de dégâts de feu à l'unité qui active le piège. Ceci est plus de piège intimidation. Le moral d'unité de l'ennemi est réduit de 10 points par niveau de son talent. Forme défensive, deux unités dans la zone de l'action. Le mode de remise plus de CA en mode de l'attaque pendant un round. Ça c'est un stratagème. Plus un taille d'armée. Un fiche puissance supérieure plus 5. En D6 points de dégâts à l'unité ciblée, c'est un sort profane. 4 d'énergie. Oh, je vais prendre celui-là. Voilà. Ok. Ah tiens. Alors, hors d'intervention combat. Votre armée a engagé la bataille. L'ennemi est à droite et les croisés à gauche. La bataille se déroule en mode tour par tour. L'ordre d'intervention est affiché en haut de l'écran. Les unités ayant une initiative élevée agissent en premier. Lorsque toutes les unités ont effectué leur tour, un nouveau round commence. L'ordre d'intervention est répété. Pour un tour, une unité peut effectuer une des actions suivantes. Se déplacer. Et ou faire une attaque corps à corps à partir du mouvement d'une unité dépendant de sa vitesse. Faire une attaque à distance si elle a la capacité et qu'aucun ennemi proche ne la menace. Utiliser une capacité si elle en dispose. Les capacités sont affichées en bas de l'écran. Basculer en défense totale si vous augmente la CA pendant un round. Attendre ce qui reporte une action jusqu'à la fin du round. Ok. Lorsqu'une unité effectue une attaque, les dégâts sont calculés comme suit. Tous les combattants de l'unité attaquante font un jet de dégâts pour déterminer les dégâts de base. Et le multiplier des dégâts déterminés selon la formule attaque de l'unité plus 21, moins place d'armure de la cible. Le tout. Ouais. Le multiplier des dégâts ne peut être inférieur à 0,5. Les dégâts de base sont multipliés par le nombre de dégâts selon le total infligé. Ok.
Ok. Et les autres là? Ok. Les combats ici. Ah, c'était pas mal. Alors, officier supérieur, vous avez vaincu votre première armée ennemie et reçu un certain nombre de fonds de trésorerie. Vous pouvez les utiliser pour recruter un officier supérieur pour votre armée en accédant à la fenêtre de l'armée dans le coin gauche. De l'écran. Au combat, les officiers supérieurs peuvent utiliser divers sorts et capacités qui se renforcent au fur et à mesure de leur progression et gagnent ainsi de l'expérience en remportant des batailles à la tête de leurs armées. Il existe trois classes d'officiers supérieurs comme indiqué par l'icône à droite de leur portrait. Les guerriers, les rôdeurs et les magiciens. Un officier supérieur survit à une défaite. Il peut ensuite être affecté à une nouvelle armée trois jours plus tard. Toutes les unités d'une armée bénéficient de bonus à l'attaque et à la classe d'armure égaux à l'attaque et à la défense de son officier supérieur. Donc, toutes les unités d'une armée bénéficient de bonus de l'attaque et de la classe d'armure égaux. Donc, ouais, c'est le bonus de défense qui donne un bonus. Okay. La puissance d'un officier supérieur affecte l'efficacité de ses capacités et de ses sorts. Au début, une armée peut être composée de 3 unités au maximum, mais les officiers supérieurs expérimentés qui possèdent le don maîtrise des manœuvres peuvent diriger des troupes plus vastes. Lorsque la bataille se solde par une victoire, l'infirmerie de l'officier supérieur permet de sauver une partie des combattants perdus. La taille de l'infirmerie est limitée, elle s'occupe donc en premier des unités de plus grande valeur. Ok. 600 de fond, un pénitentiaire contre une bande de fanatiques qui avait pris en otage un ténébreux s'est établi de ses quartiers dans les ruines du don de Valas. L'armée du commandant célèbre son premier triomphe. Malheureusement, les adorateurs du démon ont tué tous les habitants du village. On a même retrouvé tous leurs biens assemblés sur la place. Des ruines. Ok, là, il n'y a plus de points de déplacement. Thank you.
Ah, c'est là qu'il faut cliquer. Voilà, ok. Ok. Là, comparé à Pathfinder Kingmaker, ça fait double gestion sur la map. Tran Asti. Les flammes vacillantes d'un feu de camp scintillent à travers le brouillard lugubre. Trois silhouettes emmitouflées dans des capes de croisée se réchauffent. Un nain trapu et jovial, un halfling à la chevelure sombre et une femme gracile qui a l'air d'être très jeune. Le feu dissipe les volutes de brume, les craquements du bois qui brûle promettent la chaleur et repos aux voyageurs fourbus. En vous apercevant, l'halfling saisit la poignée de son arme par réflexe. Mais il se détend rapidement. Mais qui voilà, c'est le commandant, ne restez pas là, venez vous asseoir près du feu humide. Aujourd'hui, venez au moins vous sécher avec nous. Il vous tend une grande tasse de thé bien chaud en guise de bienvenue. Qui êtes-vous? Bon, un groupe d'éclaireurs dans la ligne de front, notre responsable nous a envoyé détecter les embuscades. On a marché toute la journée alors qu'on a décidé d'établir un bivouac. Tenez, servez-vous. Le thé est délicieux, c'est l'honneur d'accueillir le commandant. Les cavaliers ont disposé comme du feu, non? Je ne pensais pas tomber sur une équipe aussi sympathique que ici. J'imagine que vous n'avez rien de plus fort que du thé dans vos gourdes. Chef, n'oubliez pas de tourner le dos. Au feu de camp, on vous propose de vous remplir la panse gratuitement. C'est un péché envers les dieux. L'emplacement du camp a été choisi avec soin, l'endroit est sûr et tranquille, aucune empreinte en vue, la brise est légère, vous n'arrivez pas à vous ôter de la tête que quelque chose cloche. C'est vraiment calme ici, aussi tranquille qu'un cimetière. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas cet endroit, il me hérisse ses écailles. L'alfing lève fièrement le menton, traversé par une cicatrice blanche, pour proclamer « Je suis le sergent Willem, le chef de ce gang d'intrépides. » Willem a clairement l'apparence et l'attitude d'un guerrier. Son nez a été cassé à plusieurs reprises, son équipement est bien entretenu et ses yeux brillent d'un éclair volontaire. Tout porte à croire que c'est un combattant courageux et féroce. Tran, le nain grogne avant de soupirer. « Allons bon !» Pourquoi appeler notre héroïque petite équipe un gang Vel? Moi, c'est Tran, fantassin, cuistot et intendant, et la mère poule du groupe. Je me charge aussi de monter la tente d'Asti, vu que ses petits bras ne sont même pas capables de planter un piquet dans le sol. Tran lance un sourire narquois à la jeune femme qui vire au rouge pivoine. Asti est très douce et une très jeune prêtresse. Ouvre la bouche pour vous répondre, mais la referme immédiatement en rougissant encore davantage. Elle finit par trouver le courage de chuchoter. Je m'appelle Asti. Enchanté, je veux dire à votre service, commandant. C'est vexant, commandant. J'ai sillonné le monde en long et en large. Je sais reconnaître un bon endroit pour monter le camp quand j'en vois un. Même si toute une cohorte de fanatiques passe dans le coin, ils ne viendront jamais fouiner jusqu'ici. Tandis que de notre côté, on les observera et on les comptera sans problème. Je sens le traquenard. Je rate tous mes jets, hein. C'est un truc de fou.
J'en vois le plus ancien qui sert de tronc, les filles, les gens de famille préfèrent des gars qui ont le sens de l'humour interne. On va y aller, hein. La magie d'Asti chasse de vos mollets la fatigue causée par de longues marches, vos blessures et sangs se font enfin oublier, vos poumons se gonflent, sans que vos bras pourraient détruire n'importe quel obstacle. La chaleur et la magie se répandent dans vos épaules, on reprend votre gorge et vous en assez la douceur de la fermeté, la caresse se fait de plus en plus insistante, et si mon étreinte jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. Vos blessures récemment soignées se réouvrent, imbibant vos vêtements de sang, la mousse empoisonnée gargouille dans votre estomac, et après un violent et douloureux haut de cœur, vous mussiez le liquide infâme pour vos oreilles offertes. Les silhouettes près de vous passées se transforment en trois elfes cheveux gris à la peau sombre. Vous observez désormais avec un rictus moqueur. Leur visage difforme et grimaçant semble démoniaque. D'autres ombres que vous n'aviez pas aperçues auparavant s'extirpent des brouillards. Elles sont toutes aussi répugnantes et dérangeantes. L'odeur du feu est douceâtre et entêtante. Dans la bouilloire, des champignons visqueux flottent dans une mixture récurrente. Qui êtes-vous? La canaille qui se faisait passer pour Wilhelm l'Halfling fait la grimace et vous imite d'une manière horripilante. Qui êtes-vous? Nous sommes les serviteurs du Seigneur Iscari et vous êtes les misérables cafards que nous avons capturés dans notre toile. L'elfe qui se cachait sous les traits de la princesse Asti vous adresse un sourire carnassier avant de lécher sa dague du bout de la langue. La gentille petite Asti vous a plu, avouez que vous l'auriez bien culbuté dans votre tente. Bande de monstres. Comment je peux me laisser berner? J'aurais dû me méfier dès le début. Les paladins sont vraiment que des idiots. Vous pensez vraiment que votre capacité à détecter le mal est infaillible? Il y a bien longtemps que Dame Anemora nous a appris à duper les crétins comme vous. Dame Anemora vit votre tête et nous on la lui apporterons avec plaisir. Bon ben. Alors, malédiction, faiblesse. Ah ouais, voilà. Je savais bien que ça allait se passer ainsi. Maintenant qu'on sait à quoi s'attendre, on va la faire autrement. Ah, un groupe d'éclaireurs de la ligne de front, notre responsable, nous a envoyé détecter une embuscade dans le marché toute la journée. Quelque chose dans le discours d'Alphine, responsable du chef des lieux, un bivouac au lieu d'un simple camp. Peut-être bien intéressant dans le sommet de l'armée. Je ne pensais pas dormir son équipe. Hein. Bon, là, quelque chose cloche. Allez, go. Out of my sight. Be gone, fiend. Hey, il y en a quand même ici. Ah, des drôles. Et maintenant c'est lui. Bon. Bon, on va se faire différemment. On va se préparer, exactement. The waiting's never fun. We will win this war. The world has suffered.
suffered enough. Voilà, voilà, ça devrait aller beaucoup mieux. Focus on the goal. I'm here. Where else would I be? Now, hey, what a... Il y en a beaucoup plus que prévu. Stab you or zap you. Why not both? This was unexpected. Distract them from me. This was unexpected. C'est pas possible de mourir ainsi tout le temps. Bon, ici, on va tous se rebooster, mais on va sauvegarder avant. Parce que... My will is resolute. Rely on me. Has suffered enough. Don't mind me. I know what to do. Oh, skip the pleasantries. Let me help. Je crois que j'ai lancé deux fois celui-là. C'est rien. Smile. The world's not ending just yet. Focus on the goal. I don't steal. I encourage people to save the poor and helpless tieflings around the world. No. Starting with me. Search for what's nice. Wash. Bon là. J'ai envie d'essayer.
Bon les gars, Be gone, fiend. Fall. Stab you or zap you. Why not both? Distract them for me. Are made to be broken. Missed me already. Voilà. Alors, des armes ordinaires. Une arbalète de maître, ça va. Ah, quand même. Let's have some fun. Time to share your treasures. No glory without risk. You've crossed the wrong mongrel. I will see to your demise. I will bring down the divine wrath. Voilà. T'as pas d'aptitude rencontrée à toi, I'll ça. Something over there. Ok, bon. On peut y aller maintenant. Il y avait quand même une bonne dizaine de drones. Ok. Sauvegardons. I know the way. The goddess protects us. Aboran, Xenthes.
Bon, on va se mettre un minimum de protection avant d'y aller. Hein. Ça sent le puzzle, ça. Ouh là là là. Dalle aux deux symboles blancs. Bon, on peut en jeter un bol. Ils sont parfaitement singuliers, mais ne gâchent aucune magie. Vous ignorez. On va prendre. Dolphie se lève pour son cossier, comme s'il n'avait pas été poli, bien qu'il soit bien expérimenté. Ok. Bon. Follow my lead. Bon. Non, j'ai l'air d'avoir tout trouvé. As it should be. Are we in trouble yet? I'm curious.
Voilà, voilà. What's over there? Ce n'était pas facile, n'est-ce pas? Un énigme simple, solution simple, mais ce n'était que le début. Il s'agissait que d'éveiller votre curiosité. Soudain apparaît devant vous une silhouette translucide drapée dans une robe ample. Son visage est dissimulé derrière un masque simple et dans le moindre ornement. Les mortels ne sont pas censés lever le voile sur les mystères de l'univers, comprend toute l'étendue de la création. Mais est-ce bien vrai? Les secrets de l'univers ne seront révélés qu'aux mortels les plus dignes. Faites vos preuves et vous serez le premier à connaître tous les secrets du monde. Le cœur du mystère se trouve à l'ouest d'ici. Résolvez cette énigme et vous comprendrez la connaissance interdite. La carte d'une zone ressemblant vaguement à la plaie du monde apparaît dans les mains de la silhouette. Sur la carte, un point brille avec intensité. Qui êtes-vous? Si votre suite vers le silence. Qui êtes-vous? Cinq réponses simples. Le cœur du mystère se trouve à l'ouest d'ici. Votre carte n'est plus un jour. Comprend toute l'étendue de la création pour le mortel le plus digne. Bon, ben, je pense que je vais sauvegarder. Ça, c'est déjà une chose. Voilà. Et je vais arrêter cette vidéo sur la fin de cette énigme. Donc, voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci. Bonne fin de journée.